Gonflé à bloc par cette performance 0 but partout face au Chipolo Polo de la Zambie dans leur mythique temple de football, Levi Mwana Mwanza Stadium, les Sao du Tchad quittent ce samedi 12 octobre 2024 à 9h50 la capitale économique zambienne Ndola pour la ville de Yaoundé au Cameroun afin de bien préparer le match retour, celui de la quatrième journée de ce groupe G des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN Maroc 2025, face au champion d'Afrique des Nations de 2012, l'appareil métallique volant dédié à l'équipe nationale transportant la délégation tchadienne qui a décollé de l'aéroport international Simone Mwanza Kouapépé de Ndola a fait une escale technique après 4 heures de vol sur la piste de l'aéroport international Mayamaya de Brazzaville comme à l'aller. Pour se ravitailler en kérosène, après 36 minutes de pause, le bombardier Dash 8K400 à l'effigie de la Fédération tchadienne de football association qui a repris son envol dans le ciel congolais s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport international Simalène de Yaoundé au Cameroun sous une pluie fine lorsqu'il était 17h moins le quart. Heure de N'Djamena. Aussitôt arrivé dans la capitale camerounaise, Kevin Nikes Tachila et ses poulets, qui ont moins de 72 heures pour préparer ce match retour contre les Chipolo Polo de la Zambie, ont rapidement regagné leur base à United Hotel après les formalités d'usage. Reprise.